On est au Bourbas, la commune de Villapourçon. En le temps, c'était une grande commune, j'avais, je ne sais pas combien de villages, au moins une douzaine, une quinzaine. Et puis, il y a eu jusqu'à 3000 habitants. Et puis maintenant, on est plus que 450. Alors, ici, c'était toutes des petites fermes, il n'y avait pas de grandes fermes, 3-4. Et puis, il travaillait avec des vaches. Il labourait avec des vaches, il allait chercher le bois. Il y avait quelques chevaux, quoi. Des vaches et puis des bœufs. Mais les petites fermes, il y avait des fermes de 3 à 4 hectares. Elles avaient des 3 vaches, 4 vaches. Ben c'est une forge, là. Je ne sais pas de quelle date, mais mon père est venu ici et s'est installé en 1909. Il a pris le métier. Il a pris le métier à sanglier, parce qu'il y a des forges, il y en avait 4 ou 5 dans la commune. Il y avait une à sanglier, une au puits, une dans le bourg, il y en a même eu 2 à Drac. Parce qu'on faisait, Maréchal Ferrand, on ferait, mais on faisait beaucoup de forges aussi, parce qu'on faisait tous les outils. On faisait faire les pioches, les cognées, enfin... Quand j'ai commencé à travailler, il y avait déjà l'électricité est venue là en 30 à peu près, quoi, 1930. Mais le soir, on forgeait jusqu'à 7 heures. On ne servait pas de la lumière, c'était palmé. On travaillait au feu de la forge. Dans toutes les forges, c'était pareil. Il fallait faire un fer à âne. On ne gâchait pas. Hein. Puis, parce que les fers à chevaux, les fers à âne, on les faisait dans les vieux fers à chevaux, souvent. Mais j'ai même vu des fers à chevaux usés, on en remettait deux l'un sur l'autre, et puis on les passait au feu, ça se soudait tout ensemble. Des ânes! Ah. Moi, j'en ai eu pendant un temps 40 à ferrer. Même dans les fermes, ils avaient l'âne, mais le dimanche, ils allaient à la messe de ce temps-là. Ils allaient à la messe en voiture à boulique, quoi. Il y a tout plein de ferrures dans le chariot. Tous les matins, il y avait 10 vaches dans le cour à ferrer. Et puis quand les vaches étaient ferrées, on allait boire du chopine. J'en ai ferré. En 1950, je posais plus de 2000 fers à vaches par an. Il fallait que le pied soit bien d'aplomb, quoi. Il ne fallait pas que le fer, quand je le mettais, qui brandouille, qui tienne bien. Oui, il y a des faux printemps. Quand j'ai passé l'hiver dans les cuis, la corne était dure comme de la corne. Ah oui, c'était de l'acier, c'était pas du tout. Oh. Le ferrage a cessé en 1960, il faut dire, quand les tracteurs sont arrivés. Alors, comme je n'étais pas mécanicien, je me suis converti un peu en autre chose. On forgeait, il y avait deux feux là, il y avait deux enclumes. Mon père était là, puis mon frère là, et puis moi je frappais devant, d'un côté et puis de l'autre. On faisait aussi les roues en bois, puis il fallait les cercler. Alors, il y avait des outils spéciaux pour ça. On en faisait plusieurs à la fois. Au moins une douzaine. On avait tout le temps un morceau de craie grasse dans la poche, puis quand il y avait, on partait de là. Ouais. Et puis on faisait le tour. On marquait où ça arrivait là, ses positions, le tour de la roue en bois. Et puis on faisait le tour du fer. Alors il fallait que pour qu'il soit bon, il fallait que le fer soit un centimètre ou un centimètre et demi plus court. On faisait un grand feu, on mettait des fagots. Mais on en mettait 20, 30, je ne sais pas combien. Mais... C'est pas beau s'approcher. Hein. Les outils. Et voilà, ça. On les forgeait nous-mêmes. Une pioche, pour qu'elle soit bonne, il fallait déjà qu'elle soit mince. Et puis, il fallait presque, quand elle était finie, la battre à froid, qu'elle était presque plus chaude. Alors, quand on tapait dessus, le marteau bondissait et vieux.
C'était un métier dur, ça. Hein. Quand on allait manger la soupe, le bol n'était pas trop grand. Hein. Mon père arrachait les dents. Ah oui. Et, eh bien, M. Cougny, tiens, il venait, ben, allez, mon barceau, il faut que tu mettes ça dedans. Alors, ben, il passait le poulet, au lieu de le passer à l'alcool, il a passé un peu au feu, et maintenant pour la désinfecter. Et puis, oh. Et puis le bonhomme disait après, eh ben, mon barceau paye dans la goutte. Ça veut dire pas ben, bon. Parce que la forge, c'était un lieu de rassemblement. Hein. Ah oui, oui. Dans un pays. Et parce que les gars amenaient avec leurs vaches affairées. Et puis, arrivaient là, le premier passait, arrivait, passait le premier. Et puis, ben, l'autre attendait. Alors, bon, dans un coup, il sortait son paquet de tabac de la poche, et puis il dit, attends, je donne une cigarette. Et puis, il y avait l'aiguillon. Parce qu'il faisait tout le tour. Eh ben oui. Mais ils attendaient calmement. Et puis d'un coup, ils disaient, oh, ben, on va passer encore tout de suite. Ben, on va aller boire le chopinard d'attendre. Les gens n'étaient pas pressés. C'était une vie. Moi, les clients, c'était des copains. J'étais au bistrot beaucoup, moi. Peut-être d'autres, j'en sais rien. Mais c'est rare que ma femme vienne me chercher au bistrot. Je n'allais même pas le chercher. Jamais. Il revenait tout seul. Les femmes n'étaient pas trop dans la vie, hein, en fait, compte. Oh, j'étais pas très voisineuse, moi. J'allais pas tellement chez les gens. Puis j'avais les clients, ben je leur servais un canon de temps en temps. Je leur servais même la goutte. Ah, mais le dimanche matin, on ferait. Oui. Elle faisait de la cuisine. Ben oui, bon, on allait se promener. Mais il travaillait aussi dimanche matin. Et les gens venaient faire ferrer leurs vaches ou apporter des bricoles à souder. Moi, je n'avais pas l'habitude de travailler dimanche. Oui, ben, à cette époque-là, il y avait du monde. On n'avait plus de contact avec les gens, finalement. Et puis, plus d'amitié. Alors que maintenant, c'est. On a ce qu'il faut, on a la télé, et on mange bien, mais ça s'arrête là finalement. C'est. Alors ça dépend à quel point de vue on se place.